Transforme nos vies, que
ta parole qui est la bonne semence tombe en nous et produise des fruits. Et des fruits qui demeurent pour la gloire de ton Seigneur. Te disons merci. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia. Ça, c'est le cœur de David qui parle. Le psalmiste pose une question claire. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Et il donne la réponse à la question qui se pose. J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Quels sont les bienfaits que l'Éternel a fait à ses psalmistes? Qu'est-ce qui nous pousse à se poser cette question de reconnaissance? C'est une forme de reconnaissance, dit pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Comment je peux rendre ces biens à Dieu? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être reconnaissant envers Dieu? Mais c'est quel Dieu? Mais dans quelle situation David, qui nous parle, le psalmiste, était? Et pour mieux comprendre, j'aimerais que nous puissions commencer par le premier verset. Nous irons verset par verset, psaume 116, à partir du premier verset. Nous allons voir les portraits des dieux à qui David s'adresse. Et après, nous verrons le portrait de David qui s'adresse à Dieu. Dans quel état il était? Allons-y ensemble au premier verset. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'évoquerai toute ma vie. Les deux premiers versets tracent déjà le portrait des dieux à qui David s'adresse. C'est un Dieu que David aime. J'aime l'Éternel. C'est un Dieu qui entend les cris de David. C'est Dieu qui entend les supplications de David. Le deuxième verset nous dit, car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. David nous présente un Dieu qui écoute les prières. Un Dieu qui entend les cris du cœur. Dans les supplications. Autrement, il veut nous dire que je n'ai pas affaire à des idoles fabriquées.
qui ont les yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Mais je m'adresse à celui qui m'a créé selon son image. Celui qui a créé les yeux, il sait voir. Celui qui a créé les oreilles, il sait entendre. David nous présente un Dieu vivant, présent, plus proche de l'homme. Pas un Dieu qui est loin, qui n'entend rien, qui n'agit pas, qui comprend, un Dieu compatissant. J'ai lu dans ces deux versets la compassion de Dieu. Un Dieu qui n'est pas loin. Quand son fils crie, il s'approche, il penche son oreille pour entendre qu'est-ce qu'il dit. C'est ce Dieu-là que David nous présente. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui entend les cris. Un Dieu qui a les oreilles et qui sait entendre. Le verset 3. Avant de passer au verset 3, voyons la dernière partie du verset 2. Et je l'invoquerai toute ma vie. David prend déjà une décision. Il est face à un Dieu pareil, je ne peux pas l'abandonner. Parce que c'est celui qui écoute les prières, c'est celui qui entend les cris, je ne peux pas l'abandonner. Donc toute ma vie, je vais rester attaché à ce Dieu, je ne l'abandonnerai jamais. Réfléchis.
Je me disais, David, tu as raison de célébrer le Seigneur. Réellement, tu as été délivré de la mort. Au moment où il a reçu l'onction des dieux, afin qu'il soit roi, établi comme roi, juste après avoir reçu l'onction, David a fait l'exploit terrible pour sauver le peuple des Philistins. Si nous nous rappelons très bien, Goliath était là, les géants qui défiaient le peuple d'Israël. Mais l'onction qui était en David ne pouvait pas rester tranquille. Il a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? David s'est levé. Il a terrassé Goliath par l'onction des dieux. La victoire pour le peuple de Dieu, au lieu de créer la joie pour David, bien que le peuple était dans la joie, mais ça a créé de la jalousie auprès de Saül. Le roi qui devrait être fier d'un général d'armée qui a vaincu, qui a eu la victoire, mais il développe la jalousie. Pourquoi? Puisque les femmes ont chanté. Ils ont dit, Saoul en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, il y a certaines victoires que Dieu accomplit. Même si vous ne vous parlez pas, la victoire elle-même parle. Pousse les gens à célébrer le Seigneur. Et ça énervait Saül. Il dit, mais c'est fini. Mais quand on lui donne 10 000 personnes, mais c'est fini. Tout ce qui reste, c'est qu'on lui donne la royauté. Il oublie que Dieu l'avait déjà établi roi. Amen. Cette situation me fait toujours rire. Quand je comprends que l'Éternel est puissant, ses pensées ne sont pas les pensées des hommes. Dieu peut avoir résolu ton problème depuis longtemps et tu continues à pleurer en train de souffrir alors que la solution est déjà là. On avait Saül qui régnait sur le trône comme roi, mais qui n'était plus roi, qui a été déjà déchu. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu desserre la ceinture du roi. Il brise les grands sans information. Si c'était à notre époque ici, Saül serait encore en train de signer les ordonnances, nommer des ministres, alors que la royauté était déjà partie. C'est pourquoi il faut être branché au réseau céleste. Alléluia. Il faut comprendre quelle est la volonté des dieux. Même quand nous prions, des fois nous devons nous taire pour écouter si le Seigneur ne nous a pas déjà répondu. Il arrive des fois où nous continuons à demander ce qu'on nous a déjà donné. Seigneur, donne-moi. Seigneur, alors qu'il a déjà donné, tu perds ton temps et de l'énergie pour rien, puisque tu n'as pas compris que le Seigneur a déjà donné. Saül se fâche. Il met toutes ses batteries en marche pour tuer David. Lui-même possédé par un mauvais esprit qui devrait le tuer, puisque l'esprit de Dieu n'était plus sur lui comme roi, il ne respirait pas très bien. On dit, mais cherchons un joueur de la harpe. Il fallait qu'un musicien du Seigneur arrive pour que la délivrance de Saül s'accomplisse. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir la parenthèse pour dire aux chanteurs que nous n'avons pas besoin des gens qui viennent nous montrer seulement leur talent ici, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Nous voulons la louange qui brise les chaînes. Nous avons besoin de chanteurs qui chantent pleins d'onction de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que vous êtes en train de chanter, il y a des guérisons qui se passent dans les bancs. Pendant que vous êtes en train de chanter, il y a des miracles qui s'opèrent. Nous aspirons à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit, bon, vous savez, qui croit que c'est nous, le pasteur Camille et le pasteur Daniel, qui l'avaient engagé ou les CP. D'ailleurs, ces gens-là ne s'occupent même pas de moi. C'est fini. Je vais partir. Tu auras raté ta bénédiction pour rien. Parce que tu n'as pas encore compris. Même le pasteur Camille, moi, je ne suis pas le patron de l'église.
Je suis un serviteur appelé par Dieu pour accomplir ma mission, comme tout le monde. Accomplis ta mission, le Seigneur te bénira. Même si je te donne 10 000 euros aujourd'hui, ça ne finira pas ta peine et tes souffrances. Change ta façon de voir les choses, mon frère choriste. Je ferme la parenthèse. David arrive, il commence à chanter. Les mauvais esprits quittent Saül. Saül dit, il reste à côté de moi, en train de jouer. La bouche parle comme s'il l'aimait, mais alors qu'il préparait déjà de les tuer, puisque David avait eu la victoire. Et pendant que David, un jour, David est en train de danser, Saül, c'est un grand lanceur de flèches et de lances. À 0 mètre avec David, il dit, maintenant je l'ai eu. Sa vie, c'est fini. On verra comment il va prendre le pouvoir. Il oublie que celui qui avait appelé David, celui qui avait protégé David, était le Tout-Puissant. Il lance son javelot. Il fait sa lance pour tuer David. Et la lance reste suspendu dans le mur. David saute, il s'en va, en train de courir. Le combat commence par là. La victoire qu'il a eue venant de Dieu lui crée des problèmes très sérieux. Provoque la guerre et le combat. Pas dans les camps de l'ennemi, mais dans son propre camp. Bien-aimé, ne vous étonnez pas que depuis que vous avez accepté le Seigneur, les choses sont devenues très compliquées. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour commencer à vivre des moments comme ça? D'ailleurs, quand je ne priais pas, je dormais très bien. C'est que tu n'as pas encore compris. Dès que tu reçois l'onction du Seigneur, les diables s'élèvent, les démons se mobilisent et l'enfer tout entier est à la poursuite de ta personne. Dis, il nous a fui. Il faut lui faire du mal. Mais tant que tu resteras attaché au Seigneur, tu vaincras la mort. Amen. Puisque le Seigneur ne t'abandonnera pas entre les mains des ennemis. J'étais en train de réfléchir quand David parle que la mort m'avait environné, les liens de la mort m'avaient environné. Je me rappelle de comment il avait fui Saül. Il est allé se cacher dans une caverne avec les 600 hommes qui étaient fidèles à lui. Au fond de la caverne, Saül dit, je vais tuer ce petit garçon-là, il va mourir. Il mobilise sa troupe, ils suivent David. Mais comme l'Éternel était avec David, comme David aimait l'Éternel, Dieu l'avait épargné. David est venu avec sa troupe et Saül est venu avec sa troupe. Ils sont entrés dans la caverne où était David. Ils se sont approchés, mais Dieu n'a pas permis qu'ils arrivent au fin fond, là où David était avec ses troupes. Arrivé quelque part, ils se sentent fatigués, ils s'endorment sur place. Si l'Éternel ne protège pas, c'est en vain que les gardes de corps travaillent. L'assoupissement, Saül et toute son armée sont dans le sommeil profond. Et David sort, le général de son armée regarde et dit, oh gloire à Dieu, on est en train de fuir partout, mon Seigneur. Tu me diras que Dieu n'a pas écouté tes prières? Dieu a écouté tes prières. Voici Saül par terre. C'est fini, il dort. Quand quelqu'un est endormi, il est presque mort, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous dormez, vous connaissez ce qui se passe? Vous savez que notre sommeil, c'est l'expérience à la mort pendant une courte durée, n'est-ce pas? Et le général dit, bon, mon roi, je n'ai pas besoin que toi tu les tues. Je demande seulement que tu me donnes des ordres. Il est là par terre. C'est fini, le problème est terminé. On ne va plus continuer à fuir. Je vais le clouer au sol une seule fois et c'est fini avec Saül. David regarde, il dit non. Qui peut mettre sa main sur le oint de l'Éternel et rester impuni devant Dieu? Ne te crée pas de problème. Il ne faut pas avoir son sang.
Laisse. Dieu seul s'occupera de lui. Pour preuve, il coupe seulement le pan de sa robe, il prend la lance, il s'en va, il sort. Le monsieur toujours dans un profond sommeil, avec toute son armée. C'est comme ça que David arrive loin, il pose, il appelle Abner, fils de Ner. Qui est comme toi un grand général? Pourquoi tu n'as pas su protéger ton maître Saül? Aujourd'hui, Dieu l'avait mis entre mes mains. Il appelle mon père Saül. Saül se réveille du sommeil. Hein? C'est qui? Est-ce que c'est mon fils David? Il dit, c'est moi. Tu me poursuis pour rien. Je n'ai pas de problème avec toi. Regarde, aujourd'hui, l'Éternel t'avait mis entre mes mains. J'allais te tuer. Mais pour te montrer que je n'ai pas de problème avec toi, regarde, où est ta lance? Où est le pan de ta robe? Regarde, Saül, regarde la robe coupée. Je ne veux pas te tuer. Il s'en va. Alléluia. Dieu protège David. David a fui. Il est passé partout. Je parle un peu. Quand il parle, j'explique un peu la situation de David pour que nous puissions comprendre. Quand il parle des liens de la mort, ce n'est pas quelque chose de l'histoire d'imaginaire. C'est la vie que David a vécue. Il a fui. Saül a fait ses tentatives plus d'une fois. Et Dieu le mettait toujours en présence de David et David ne les tuait pas. Les choses devenaient tellement compliquées que David ne pouvait plus rester au milieu de son peuple. Il s'est fait un imbécile. Il s'est fait quelqu'un, comment on appelle, un fou. Pour passer dans les camps des ennemis. C'est lui qui avait reçu l'onction. C'est lui à qui Dieu a dit que tu es le roi. Il avait laissé la barbe. Il a commencé à baver, à faire sortir la salive, afin que les ennemis comprennent qu'il est devenu fou, qu'on les laisse la vie. Quelle souffrance! David pouvait dire, non, c'est faux, le Seigneur ne m'a pas choisi. Il est allé même dans les camps des Philistins, là où il avait tué Goliath. Il va chez le roi Achish, il dit, je vais chercher refuge chez toi, puisque les gens, mon peuple, ne m'a plus accepté, avec ses 600 hommes. Bref, arrivé même chez les ennemis, on ne l'a pas accepté. Le roi Achish dit, cet homme, c'est un vaillant guerrier. Il faut le garder. La guerre arrive avec le peuple d'Israël. David dit, bon, maintenant, je vais entrer dans les camps de l'ennemi pour combattre mon peuple. Dieu ne pouvait pas permettre. Quand le roi Achish parle à son conseil militaire, tous les généraux, ils disent, mais le roi, on te respecte, mais en matière de guerre, écoute ce que nous te disons. Comment David peut être des nôtres? C'est lui qui avait tué Goliath? Mais ça, c'est la tactique de guerre. Il se fait passer pour celui qui est dans notre camp, mais quand nous serons sur le champ de bataille, il va tourner contre nous, il va nous tuer. Nous ne voulons pas de sa présence. Faites-le partir. Même dans les camps de l'ennemi, on a chassé David. Il quitte là-bas, il rentre, il veut rentrer à Tziklak, là où il avait laissé sa femme, ses enfants, et la femme de ses troupes, et les autres qui étaient à Tziklak, déçus en Israël, il va chez le roi Achish, chez les Philistins. On les chasse là-bas. Il quitte, il rentre maintenant pour aller se réfugier dans la ville où il était. De loin, avec les 600 hommes, il trouve, il voit la ville en fumée. Il est en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il entre dans la ville avec les 600 hommes. Il trouve que la ville a été pillée par les Amalécites. Ils avaient emporté ses femmes et ses enfants. Et les femmes et les enfants de tous les gens qui étaient avec lui. La ville a été brûlée, ils sont partis. Aïe! David a commencé à pleurer. Et tous les autres, tout le monde a commencé à pleurer. La Bible déclare, si nous lisons 1 Samuel chapitre 30, vous verrez que David, avec les 600 hommes, ils ont pleuré jusqu'à épuiser toute la force. Ils n'avaient même plus la force de pleurer. L'espoir et l'unique espoir que David avait, c'était tout simplement de compter sur ces 600 hommes, puisqu'on l'avait déjà abandonné. Et pendant ce temps-là, les 600 hommes regardent, chacun regarde, il avait perdu sa fille,
sa femme, tout ça, tout était emporté par les ennemis, les Amérécites. David dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Le roi m'a chassé. Je suis parti chez les ennemis, on me chasse. Je retourne pour me réfugier dans la ville, je trouve que tout ce que j'avais était pillé. Est-ce que David ne pouvait pas dire que Dieu l'a abandonné? Où était Dieu pendant ce temps-là? David a pleuré. La Bible nous dit qu'il a pleuré, même les 600 hommes. Imaginez-vous les cris des hommes de guerre, 600 personnes en train de pleurer. Quel bruit! Et les hommes qui viennent de guerre en train de pleurer. Mais quand nous lisons dans ces versets, la Bible dit, quand ils ont fini de pleurer, tout le monde a dit à David, maintenant nous t'abandonnons toi. C'est à cause de toi qu'on a pris nos femmes et nos enfants, on nous tue. Tu es devenu un problème. Maintenant, c'est toi que nous allons lapider. Même les 600 hommes qui étaient fidèles à David se tournent contre David et disent, maintenant nous allons te lapider. Ils décident de lapider, de tuer David par coup de pierre. Alors que David pleurait aussi, ses deux femmes et ses filles étaient parties. Tout le monde l'a abandonné. Alléluia. Même les 600 hommes fidèles l'ont abandonné. Mais la Bible déclare que David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel des armées. Il dit, si tout le monde m'a abandonné, même les 600 hommes qui étaient fidèles à moi m'abandonnent, mais je vais compter sur le Seigneur. C'est comme ça que David avait appelé les sacrificateurs à Abiathar. Il dit, je vais consulter l'Éternel pour cette situation. Les liens de la mort m'avaient environné. Au moment où on lui demandait la dot, Saoul pour tuer David, vous savez quelle est la dot qu'il avait demandée? Il dit, pour te donner ma fille Mical, tu vas tuer 100 Philistins et tu m'amènes leur prépuce. C'est ça la dot. Quelle dot diabolique? C'est la dot que tu demandes. Puisque d'après Saül, quand David va affronter 100 guerriers philistins, mais ils vont les tuer puisqu'il ne tuera pas 100. Mais comme il avait reçu l'onction de Dieu, il s'en va sur le terrain. Au lieu de tuer 100, il en tue 200. Alléluia. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. David regarde comment Dieu l'a sauvé des Philistins. Comment Dieu l'a sauvé du roi Saül avec toute son armée. David se souvient de l'Éternel qu'il avait pris derrière le troupeau de son père. David se rappelle de comment l'ours est venu pour bouffer le troupeau de son père. Et Dieu l'a sauvé de la patte de l'ours. David se rappelle de l'Éternel qui l'a sauvé de la gueule du lion. Quand le lion est venu pour attraper l'ours, Dieu a protégé David et David a sauvé les brebis. Comment ne pas rester fidèle à ses dieux? Les situations n'étaient pas faciles. Il était en train de pleurer. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est pour vous dire que David n'était pas dans la joie quand il est en train de reconnaître ça. Il avait une situation très compliquée et difficile. Mais qu'est-ce qu'il dit devant toute cette situation? Il était dans les désordres, son cœur pleurait, il était dans les tourments. Il pouvait se suicider, puisque la situation était compliquée. Mais dans cette détresse et dans la douleur, David dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu au verset 4? Il ne demande pas autre chose. Il dit, ô Éternel, sauve mon âme. Alléluia. Dans les situations compliquées, pendant que la mort environnait David, David a demandé une seule chose à Dieu. Sauve mon âme. Au verset 5, il dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples
Et ce qui m'intéresse au verset 6, il dit, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Alléluia. Mon âme, au verset 7, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds des chutes. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Au verset 9. Ce qui me plaît avec David, c'était un homme qui parlait de tout son cœur. Tout ce qu'il avait comme pensée dans sa tête, il le disait à Dieu sans hésiter. La franchise de David. C'est un roi qui parle, qui chante là. Il dit quoi? Il reconnaît qu'il était malheureux. J'étais malheureux et il m'a sauvé. David peut parler à son âme et se rassurer. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Après qu'il ait passé des situations difficiles, pendant ce temps, David était dans l'amertume. Dans des moments très compliqués, très difficiles. Il pleurait. Mais il dit, mais j'invoquerai l'Éternel. Une façon de dire, je vais toujours prier le Seigneur, même si les situations semblent ne pas marcher très bien. Je vais continuer, je vais persévérer. C'est pourquoi il dit, j'invoquerai l'Éternel des armées. Et il me sauvera. Bien que la situation n'a pas encore changé, mais regardez, quand nous arrivons au verset 7, 5, 6, 7. David dit, surtout le verset 7, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Même si la situation physique n'avait pas encore changé, même si David pouvait encore avoir des problèmes, même si David pouvait encore avoir d'adversité dans sa vie, mais il retrouve la paix intérieure après la prière qu'il a faite. Il dit à son âme, mon âme, tu peux maintenant retourner à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Bien-aimés, quand les situations sont compliquées, ça ne vaut pas la peine de se suicider. Oui, je vais me tirer la balle. Tu vas te tirer la balle. C'est de l'irresponsabilité. Tu fuis le problème, il faut les affronter. Alléluia. Fini. Dans cette église-là, ils ont exagéré. Ils ont exagéré. Même les pasteurs, ils m'ont parlé comme ça. C'est fini, je m'en vais. Tu iras dans l'autre assemblée, tu auras encore des problèmes avec des gens. Parce que partout où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. L'essentiel n'est pas de fuir. C'est de tenter de résoudre les problèmes. C'est de chercher l'Éternel afin qu'il vous donne la paix. La paix intérieure qu'il va vous donner va vous pousser à changer d'attitude et changer la façon de voir les choses. David retrouve la paix. Il dit à son âme, tu peux rester en paix, l'Éternel, en paix. L'Éternel t'a fait du bien, mon âme. Le verset 10. J'avais confiance lorsque je disais, je suis malheureux. David nous dit ici qu'il avait confiance pendant qu'il disait qu'il était malheureux. J'avais confiance lorsque je disais que j'étais malheureux. Il reconnaît son état devant Dieu. Je suis malheureux. Mais en reconnaissant qu'il était faible, il dit qu'il avait confiance. C'est la marque de foi. La confiance que nous avons en Dieu fait que même devant les situations très compliquées et difficiles, nous pouvons pleurer, nous pouvons parler au Seigneur, mais nous n'allons pas abandonner Dieu. Amen. Nous parlons avec assurance. Cela ne m'empêche pas de dire à Dieu que je suis dépassé. C'est pourquoi j'ai dit au modérateur, quand vous venez, nous sommes devant, dans les réunions, on a toujours parlé de ça. Quelqu'un peut avoir traversé une semaine très mauvaise. Il a eu de mauvaises nouvelles, les maladies, il a perdu un membre de la famille. Il vient à l'église abattu. C'est tout à fait normal. Vous vous mettez devant,
Vous n'êtes pas dans la joie. Pourquoi vous n'êtes pas dans la joie? Ah, tu commences à dire, qui est dans la joie? Moi, si je suis comme ça, je ne lève pas la main. Je dois être comme David, je dois dire la vérité. Je suis dans la tristesse, tu me demandes d'être dans la joie. Est-ce que j'ai déjà rencontré le Seigneur? Il faut que le Seigneur console mon cœur. Il faut que la louange de Dieu entre dans mon cœur, que j'aie la paix intérieure. Je peux alors célébrer le Seigneur. Mais tout au début, qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Nous sommes venus avec des problèmes, je peux être triste. Quelqu'un qui a échoué à l'examen de rattrapage, tu vas lui demander d'être dans la joie quand il est entré directement? Non, bien-aimé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais David est sincère. Il parle au Seigneur avec confiance. On peut être malheureux, on peut avoir des problèmes, mais on reste confiant. C'est la foi que nous avons. Oui, cette situation ne va pas m'achever, mais je sais que l'Éternel interviendra. Je reste confiant en Dieu. Et quand il parle comme ça, l'attitude de David change. Maintenant, il arrive. On va finir par là, sinon on risque d'aller point par point, ça va nous prendre peut-être 2 heures, 3 heures. Il arrive au verset 12. Le langage change. J'aimerais parler d'abord du verset 11. Quand il dit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Il était déçu. Mais regardez ce qu'il dit au verset 11. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. C'est que David a été déçu, peut-être par les hommes qui lui avaient fait des promesses, peut-être il a été trahi pour une situation quelconque. Il dit vraiment, tout homme est trompeur. Je ne peux pas me fier encore aux hommes. C'est-à-dire que David était dans une déception terrible. Mais malgré ça, au verset 12, il dit, « Que rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. » En présence de tout son peuple. Malgré les situations difficiles, malgré la trahison des gens, David s'élève et dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? David ne regarde pas seulement sa situation. Seigneur, tu ne m'as pas fait ça, tu n'as pas. Il commence à revoir d'abord ce que l'Éternel a fait pour lui. C'est ce que je nous demande ce matin de faire. Peut-être les choses n'ont pas bien marché toute l'année. Peut-être on est déçu pour telle ou telle autre situation. Peut-être on est trahi par quelqu'un. Peut-être il y a eu des promesses qu'on n'a pas accomplies. Peut-être on est déçu même par les gens sur qui on comptait et on espérait. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. David nous montre qu'il y a un Dieu miséricordieux et compatissant. Il y a un Dieu qui entend les cris. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu pries, toi tu peux oublier, tu peux passer ce sujet de prière, mais Dieu au ciel n'a pas oublié. C'est lui qui a créé les oreilles, entend, écoute les prières. Espère encore en Dieu dans ses messages. David veut nous montrer qu'il faut regarder les biens que le Seigneur a fait et compter encore sur lui. C'est pourquoi il dit, je marcherai avec l'Éternel durant toute ma vie. David dit, je ne peux pas abandonner ces dieux. Bien-aimé, compte un peu les bienfaits de Dieu. Même s'il n'a pas donné, je veux aller à l'extrême. Même si tu n'as pas à manger aujourd'hui, le premier, tu regardes les autres en train de fêter tout ça. Est-ce que c'est un motif pour lequel tu peux abandonner le Seigneur? En Matthieu chapitre 6, verset 25, Jésus disait à ses disciples, quand il parlait d'inquiétude, pourquoi vous vous inquiétez de votre vie?
De quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir? Il pose la question, Matthieu 6, 25. Est-ce que la vie ne vaut pas plus que la nourriture? La vie que Dieu vous donne ne vaut pas plus que la nourriture? Est-ce que le corps que Dieu vous a donné n'est pas plus que les habits que vous portez? Moi, je n'étais pas bien habillé. Moi, je n'étais pas... Combien d'habits tu as déjà changé depuis ton enfance? Et le corps, tu l'as changé? Souvent, le diable nous trompe. Nous ne regardons pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous regardons toujours ce que nous continuons à demander à Dieu. Bien-aimés, soyez reconnaissants envers le Seigneur. En ces jours, j'aimerais que tu comprennes que le Seigneur est celui qui écoute ta prière. N'abandonne pas Dieu. Prends un engagement. David se lève pour dire, moi je vais chercher ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Que rendrai-je? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je peux les rendre? J'élèverai la coupe de la délivrance. David prophétisait sans le savoir. Quand il parlait d'élever de la coupe de la délivrance, la coupe de la délivrance, c'était la coupe du sang de Jésus-Christ, instaurée dans la Sainte Cène avant la mort de Christ. Il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il dit, voici la coupe de la Nouvelle Alliance, le sang versé. C'est le sang de la délivrance pour le peuple de Dieu. David dit, je vais élever ça, je vais célébrer ça, je célébrerai Christ au-dessus de toutes choses. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est reconnaissant, qui se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour ces dieux? Est-ce qu'il ne faut pas que je le loue? Est-ce qu'il ne faut pas que je l'élève? Il dit, mais si j'avais fait des promesses à Dieu que je n'ai pas accomplies, je vais les accomplir devant tout le peuple, puisque c'est un Dieu bon, un Dieu qui garde. David nous montre un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, un Dieu qui exauce les prières, un Dieu qui nous délivre de la puissance du monde des ténèbres. Un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous fait du bien. Et puis, la leçon à tirer, c'est que nous n'allons pas nous détacher de ces dieux. On reste fidèles. L'apôtre Paul pouvait parler en posant la question. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est ni la tribulation, ni la nudité, ni la souffrance, ni la mort. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau-là? Est-ce que nous ne sommes pas découragés quand nous regardons les attentats qui se passent? Bien-aimé, pendant que toi tu es en train de parler peut-être de la nourriture, tu cherches peut-être une belle veste que tu n'as pas eue. Aujourd'hui, à 1h du matin, à 0h, vous avez entendu ce qui s'est passé à Istanbul? Les gens qui étaient, qui se sont réunis en train de fêter, quelqu'un est entré avec une arme. Crrr. Maintenant, ils étaient en train de festoyer pour 2017. Mais ils sont en deuil. Je ne sais pas s'il y a eu combien de morts. 39 morts sur place. Qu'est-ce que ces gens ont fait? C'est puisque nous ne sommes plus bons qu'eux que nous sommes en vie. La vie que le Seigneur te donne n'est pas plus que la nourriture. Pourquoi tu regardes les biens plus que ce que le Seigneur t'a donné? Quand tu fais le bilan de toute cette année, regardez les joueurs du Brésil dans l'avion qui partaient pour aller jouer au foot. L'avion s'est écrasé, il n'y a eu qu'une seule personne qui a survécu. Et toute l'équipe est décimée. Ils sont décédés.
quand ils sont entrés dans l'avion, ils ont dit, notre destination, c'est à tel endroit. Pas plus loin que la semaine passée. Le cœur de la Russie, de l'armée rouge de la Russie, devrait aller en Syrie. Je m'imagine que c'était pour aller célébrer la victoire, n'est-ce pas? L'avion est tombé dans la mer morte. Aucun survivant. Tout le monde est mort. Il n'y a pas une semaine et demie. Combien de gens ont connu des accidents? Combien de gens sont dans les hôpitaux? Combien de gens sont malades? Mais toi à qui le Seigneur a donné la vie, toi qui as la force de louer Dieu, toi qui as même la force de manger, tu te plains pour chercher à manger, alors qu'il y a des gens à l'hôpital, dans des soins intensifs aujourd'hui, à qui on fait tomber même la goutte d'eau. Il ne veut plus que la goutte d'eau entre dans la bouche. Passez par là et vous comprendrez comment Dieu est bon quand il vous donne la vie. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Fais le bilan de toute l'année et tu comprendras que c'est un Dieu qui écoute les cris. Et il te sauve et il te sauvera encore. Ce qu'il a déjà fait, il l'a fait et il continuera à le faire. Reste fidèle à Dieu. Pour cette année, lève-toi, célèbre le Seigneur. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out past.